Signale-le à deux fois. Un orca. Ouais, je pense. Là, il y en a un qui essaye de. Je l'envie. C'est normal que j'aime pas dépanner le kit. Utiliser. Pas de place dans le sac. Ah, d'accord. J'ai posé ma trousse. Dans le véhicule. Oh putain, doué que je suis moi. Ah, c'est pas la mine. Attention, non, colonel Krefung. Hein. Il y a trois hélicoptères autour d'Atira. Hein. Sur le radar. Il y a trois hélicoptères autour d'Atira. C'est reçu, oh, j'essaie de les avoir en visite thermique. Et mon casque, c'est pas nous. Et mais je n'ai plus mon casque. J'en ai un au nord. Allez, l'option, la marche. Au sud-est. Bon, tant pis, pose par terre, perds pas de temps. Il y en a peut-être pas dans le chat. Et coucou, monsieur Olivier. Ah, c'est bon. Bonjour, monsieur. Monsieur de la Maréchaussée. Le petit de la Maréchaussée, salut. C'est qui tire là? Oh là, c'est quoi ces tirs? Je crois que c'est Krefung avec un policier. C'est moi qui tire sur le. Sur le, l'hélicoptère qui a atterri à côté de l'hôpital. Ok les gars, il me faut un mec. Ouais, c'est peut-être le Samu, il a dit à Kavala, mais il s'est peut-être trompé. Il voulait peut-être dire à tir. Demande de patrouille, demande d'intervention sur un hélicoptère qui vient d'atterrir à l'hôpital, s'il vous plaît. Tu veux-tu qu'on s'en charge, Krefung? Je veux bien, Olivier, s'il te plaît, oui. Ok, il y en a un qui vient avec moi là. Ok, vas-y. L'hélicoptère est au sol, je pense qu'ils sont arrêtés à l'hôpital pour soigner des personnes, donc vous pouvez encore les interpeller, ils sont pas rentrés dans l'hélicoptère, je les ai en visite thermique. Hein. Ok, ok. Ah, j'ai envoyé Clancy et Kennedy. Hein. Je vois avec ma thermique aussi. Hein. D'ailleurs, barrage en place sur l'autoroute, hein. J'ai mis un petit point. Qui a atterri. Hein. Notre petit, ah, mais faut pas qu'il atterrisse en ville, messieurs, vous le savez bien, là je viens d'envoyer une. Non, mais il est. Non, mais il est médecin. Il est médecin. Non, mais il est médecin. Ah, il est médecin. Ça a été réglé. Ok, annulation d'intervention. Enfin, apparemment, c'est un hélico qui appartiendrait au Nyabongi, au médecin des Nyabongi qui s'est arrêté à l'hôpital pour descendre une personne. Annulation d'intervention. Reçu. Ouais, Tanneux, la prochaine fois, j'essaie de prévenir la police. Il tire. Désolé, hein, c'était... J'étais obligé de crier. J'ai eu l'information juste après, hein, les gars. Attention, Krefung, t'as entendu? Qu'est-ce qu'on fait avec le petit message, là? On se ramène tous? Ok, tout le monde à Tira, s'il vous plaît, messieurs, et je sais pas qui est dans le Hunter HMG, tu me libères la place, tu me laisses uniquement le gouverneur dedans, monsieur Kingston et son petit, vous montez avec nous. Cartel à Tira, les gars. Le cartel... C'est la guerre. Ok. Ok, tous les effectifs sur Atira. Ok, Tira Raim Nord-Ouest. Nord-Ouest, Tira Raim Nord-Ouest. Nord-Ouest. Ouest. Bon, je vais retourner à... Y'a un mec qui veut qu'elle transition, non? Des rebelles? C'est des Nyabongi. Avec nous, hein? Oui. Ah mais comment on fait pour les différencier quoi, j'ai pas en... Putain, je l'ai pas en visu, hein, mec. Démerde-toi, ils sont à l'extérieur. Les Nyabongi sont à l'intérieur. Voilà. Ok, il y en a plein là. Et je suis en direction des hommes que tu vises. Ils sont dans les bâtiments, transmets à l'unité. Ah, moi j'ai pas de visu. Ah, ils sont très durs à voir. Ils sont très planqués. J'en ai abattu 4. Malheureusement, Hunter a changé.
Si on va sur place, nous on va se faire plomber par les poulets. Il vaut mieux qu'on reste là. Hein. Non, on chicote pas mes petits, moi je les laisse pas. Ils étaient déjà en place. Ah, attention, il y a d'autres tirs. On chicote pas les petits. Attention, pas bouchon, hein. À l'ouest peut-être, on en a aussi. On a pas vérifié par là. En plus, il y a le brouillard à la con. Putain, quel homme. Ah, il y a un mec qui court. Sud, au sud, j'ai vu un mec en mouvement. Je n'utiliserai plus le HMG là, c'est fini, je le range. Ouais, pourquoi? Tu t'es pris encore une bosse? Non, parce que c'est des hommes à pied et qu'on va pas utiliser d'une arme abusive. J'en ai abattu 4, ça suffit amplement. Il y en a qui est dans la maison. Et il a fuite au sud-est en direction de l'hélicoptère qui s'est posé. Hein. Range le HMG. Je sors en normal. Viens-moi avec même. A tous les hommes qui se trouvent en position sur Attira au commissariat, vous montez dans les tours, vous spawnez, vous tirez à vue. Ah, fais un bandage. Bandage. Et limite dans la ville sud-est. Avec moi là. Si vous avez besoin d'un bandage ou quoi que ce soit, je vais vous demander. Terrain de foot. Des amos terrain de foot. En direction du terrain de foot à côté du newspaper. Deux hommes au nord-est à azimut 70 de la tour. Et Tiba et compagnie. Ah. Ah, j'envoie sud. Sud. Azimut 162. Azimut 162 derrière le mur. Pour ceux qui sont sur la tour, à peu de choses près. J'ai pris une merde. Excusez-moi. Prends une autre fenêtre que moi, ça sert à rien d'ajouter. Autour du terrain de foot, hein. Globalement, il y a une bonne quantité d'hommes autour du terrain de foot. Hein. Ah, demande d'autorisation pour péter les lumières au comico. Il y a deux personnes à côté de la maison où vous avez tiré du verre. Affirmatif, change de fenêtre. Autorisation accordée. Mets devant ma gueule là.
à partir de la tour du commissariat, azimut 118, maison abandonnée, un homme. Dans le comico, reçu. On a attaqué. C'est rentré dans le comico, c'est rentré. On a entendu, Léon. Ok. Mur nord-ouest. On reçoit des grenades. Oh, ça pue ça. Dans du boom. Ouais, attention. Encore une, cachez-vous. Reçu. Au nord, j'ai un ennemi au nord. Dans un buisson, une connerie. Colonel Krefungak s'évanouit en haut de la tour. Reçu. Hélico incoming. Hélico. Attention, un hélico. Ok, reçu. Tu l'as pas mis, c'est bon. Je finis. Ok. Ok, c'est bon. Nickel. Ok, Krefungak, c'est bon, réanimé. Dans le comico, c'est rentré dans le comico, attention. Attendez, il est... L'hélipad, hein. À l'ouest, c'est quoi, l'hélipad, direction ouest derrière le mur. Juste à gauche où l'hélico spawn. Ouest derrière le mur. Ah d'accord. Putain, le mec, je lui ai mis là les balles. Et moi, j'ai mis vermine, faudrait que je joue un peu au fond, quoi. Oh, merci de pas faire le cheval, ça apporte rien. Hein? Ah, lui avec la M200 là. Un homme couché, azimut 312. Nord-ouest, derrière le petit muret. Et où je regarde, tu me vois? Et tu les vois là, en face? Ouais, il est allongé. Je sais pas où t'es. Vu. Il y a un tir de lance-roquette là. J'en ai vu un. Ah, j'ai pas mon pointeur là. C'est lui qui a un pointeur. Ah, y'en a. Ah, tous ceux qui sont autour de Ying Zing, c'est des alliés. Putain, j'ai pas de. Dag, le mec là qui est allongé dans le champ. Je prends un pointeur laser, je vais vous pointer les targets, les gars. Vous pointez l'état. C'est clear en bas, c'est propre ou c'est dangereux? Non, c'est dangereux. Oh, qui a lancé une grenade? Moi. Tu l'as lancé trop près. Ouais, je sais. La personne qui est en bas là, elle lag. C'est qui là à côté de moi?
Ah non, il est dead celui-là en fait, il rentre depuis tout à l'heure, mais il est dead. C'est moi, t'inquiète. Olivier, couvre-moi le cul. Oh, j'ai pris une balle moi. Tu vois la vieille maison en face? Ok, je vais vous pointer toutes les cibles au pointeur laser, les gars. Là-bas. Je monte dans la tour, je vais vous pointer toutes les cibles que j'ouvre. Vous allez focus target, focus fire dessus. Il va falloir que quelqu'un sorte pour les égorger là. Ah ouais. Ouais, il est dans la vieille maison en ruine. Ah, j'ai mis un point sur la map pour un homme. Azimut 10 à peu près. Ouais, bah voilà, c'est celui-là. Pointeur laser. C'est chez nous, c'est chez nous, arrête de paniquer. Un plat à droite, le pointeur, à droite encore. What? La maison, tu vois, à droite, en ruine, cassée. Il court. Pas celle-là, à droite. Ah, mais il y avait un autre mec plus près, j'ai vu une autre target tout à l'heure. Peut-être plus près. Le pointeur, dès que je joue une cible, je joue la pointe. Ici, une cible, focus fire. Elle est morte, elle est morte. C'est un lag. La lag, ouais, elle fait que de. En paix. Ok, azimut 25. Ok, ah. Derrière un rocher. Derrière le mur de l'héliport, il y a un mec. Du coup, je vais vous le pointer. Je vais m'approcher. Azimut 30, il se déplace. Il y a un mec qui est planqué. Un homme qui court à azimut. Azimut 53. Je l'ai neutralisé, il est mort. Ok. Maintenant, il y en a un qui essuie des dégâts. Tue-le. Essaye de l'égorger. Eh ben, tue-le. Et. Oh ouais, faut faire des balles dans la tête. Vas-y, encore, encore. Puis on peut prendre en otage. Ouais, prends-le peut-être en otage, on sait jamais. Prends-le en otage, ouais, c'est pas con. En otage? Ouais. Boucho, tu veux qu'on le prenne en otage ou pas, le gars? On le prend en otage? Tous ceux que vous pouvez avoir envie, vous le prenez en vie. Okay. Ok, bah c'est parti. Attends, c'est vous. Vas-y, escorte. Je te coupe, vas-y. Vas-y, avance. Non mais c'est toi qui es couché. J'en ai couché un. Je te vois toi. Ah bon? Non, je te vois toi. Ok les gars. Ouais, attends, oh, y a une grenade dans le terrain. Azimut 75, je vois quelqu'un. Hop. Qui a l'égorgé. Quoi? Y a un... Voilà, Azimut là c'est escorté. Vas-y, monte-le dans la tour. Monte-le. 75. Ah, t'as plus de radio, t'as plus de téléphone, t'as plus de GPS. Plus rien. Plus de moyen de communication. Ah non, pas dans le plan commun, mais t'as su, non. Ok, qui est là-haut, là, encore, en adjoint? Là, on a un mec, on a un otage. Ah, Pucho, tu peux mettre un petit point sur l'homme à abattre. Côté hôpital. Y'a un mec. Target sur le laser. Sur le laser. Mort de faim. Sérieux? Ah, j'ai pas vérifié ma vie. Et où avec l'otage? Allez, 6ème down. Non, dans la tour. Je vois pas dans la tour, mec. Ah non, je... Alors, y'en a un derrière le mur et à azimut 79. Avec moi. Viens avec moi, je t'attends en bas de la tour. Il traverse à droite, azimut 90. Derrière la maison. Il s'est mis à couvert derrière le mur toujours. Il vient de passer le mur là.
Azimut 105. Faut que tu prennes ton courage à deux mains et que tu fasses tout le tour de là où on a tiré et que t'égorges le plus de gens possible. Dès que ça tire, on essaie de te couvrir. Je vais aller normalement, de ce côté-là, y'a personne qui peut venir. Pourquoi y'a un pélo là au milieu de la route? Peut-être un NPC. Non, non, c'est un civil. Je pointe là, y'a un mec dans l'armée. Voilà. Monsieur, si vous voulez. Vous pouvez... Monsieur, j'ai venu. Un peu le mec. Bon, tu cours azimut 75 tout droit. Cours azimut 75 tout droit, je te dis quand t'arrives. 250 mètres. Là j'arrive vers la maison, oui là. T'avais toujours l'otage là-haut ou pas? Ouais ouais, on l'a toujours. Là. Encore un ennemi qui se déplace, je sais pas l'azimut. Azimut 109. Là où vous êtes avec les lasers, je dois aller? Non. En fait, on n'a pas le même azimut vu que t'es pas à côté de moi. Oui, oui, oui. Cours là où je t'ai dit pour l'instant. Moi, je veux dire que c'est la dernière fois. Soit vous venez ici, vous serez protégé, soit vous faites demi-tour, monsieur. Ici, 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 vous êtes en plein milieu. Ok, continue plus à gauche, plus à gauche, plus à gauche. Et vers le haut, vers la pampa, plus à gauche. Encore plus à gauche. Cours maintenant. Cours, 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 cours. Il est debout, il marche même pas. Parce que t'es baissé. Oh, je suis debout là. T'es baissé. Ah, je suis blessé, non, je suis à 100%. Baissé. Ah, je suis pas baissé. T'es baissé. Ah, y'a des mecs qui courent au pied de l'hélicoptère, retard de cœur. Wow, j'ai pris une balle moi. À tous, ne passez pas devant les hommes qui sont en train de tirer. C'est peut-être moi. Ah, pardon. Continue. Autour du terrain de foot, il y avait des cibles aussi. Oh, c'est tir, hein, non? Je t'ai dit que t'avais un baillon du bot, pardon. Attendez, attendez. User joined your les gars, channel. C'est nous qui sommes en train d'arriver dans le comico. Évacuer la zone. L'orca, à mon avis, il est pas à vous, hein. C'est pas possible. Non, l'orca, non, mais les hommes à pied qui arrivent devant le comico, c'est nous. Donc on va dézinguer. Bah, y'en a un qui courait de dos en fait vers cette zone-là, du coup, on l'a déglingué. Désolé si c'est l'un d'entre vous. Ou si vous êtes 3 sur la place, cachez-vous. Parce on que là, il y a vraiment 15 cibles. Ok, azimut. Non, c'est à nous, ça, c'est à nous. Azimut 137. 137. Je sais pas qui tire, mais c'est à nous. Avec la boussole nord-est et tout. Sud-sud-est. Non, il a pas de losange, Olivier, il est pas à nous. Sud-est aussi. Bon, je vous préviens, nous on avance vers le comico, je préviens les autres en dessous. User left your channel. Bon, il est où l'otage là? Normalement ça s'est calmé, ils sont évacués. Dans la tour. Ok, je vais aller parler. Bordel de merde, c'était quoi ce bordel là? On aurait dit une tentative de renversement. À tous les hommes. Si un groupe d'hommes armés arrive en marchant en plein milieu de la route, ce sont les Nyabongi. C'est reçu. Moi j'ai leur hélico là. Il me certifie qu'il était dans le coma. Devant moi. Saisis l'hélico. Non, détruis l'hélico si ça veut.
pas si. Regarde à qui ça appartient. C'est un orque. Monsieur, vous disiez vous étiez dans le coma quand on vous a réanimé. En fait, il est à Tanner Utsut. Ça m'a sorti de mon coma. Tanner, c'est pas un Nyabongi. À 6139, à partir de la gendarmerie, c'est les Nyabongi, on ne tire pas, messieurs. Oh les gars, pourquoi vous attaquez le commissariat là? Pourquoi votre délire? Hélico en fuite. Azimut 136. Vas-y, l'hélico ou pas alors? Non, il faut le détruire. Il s'est passé quoi? Personne vous a attaqué avec une armée avec le capable on vous l'a laissé au final. Ah, je lui tire dessus. Arrêtez de tirer, arrêtez de tirer. Vous tirez sur quoi là? Là, ce que je pointe à Crefung, là, regarde. Je vois, c'est un Mouhawk. Tu vois ce que je pointe là? Quand tu as un mec rechargé dans la ville, c'est vous? Et là, il y a un autre hélico là. Autorisation de tirer par contre sur les hélicoptères qui sont encore aux abords de la ville au cas où ça soit des yeux. Un mec qui recharge. Hélico qui se pose. C'est vu Olivier. Vous avez fait confiance et j'ai arrêté de vous suivre. En plus ça. Il y a des âmes au sol, il embarque des âmes au sol. Pourquoi tu l'as saisi? C'est pas grave. Tanner, je sais pas qui c'est, peut-être un Yabongi. Pour l'instant, vous n'avez rien à craindre là-bas. Alors pourquoi venir nous casser? Ah putain. Bon bah ils ont réussi à se tirer. Justement, tu sais reposer simplement. Ah, je suis dans un tir à même là. Attaque de commissariat. Attends, il y a un mec qui s'est rechargé, il y a toutes les 3 secondes, je sais pas si c'est un flic ou... Monsieur, je suis pas censé être là, je suis à l'hôpital. La tête est haute, il nous a coupé la gorge, c'est saligo là. Il y a un adjoint, un vrai... Ah, Tira, il y a personne, c'est calme. Dans ma tête. Tu restes là, tu restes en hauteur, le brigadier. Tu restes sur la tour, tu ne fais pas d'ancien problème. Ouais, il y a un mec dans le comico qui s'amuse à recharger. Allez, bonne soirée. Hein. Passe-leur le message quand tu sortiras de l'hôpital. Je vais te laisser un petit mot dans la poche. Arrêtez d'attaquer ces putains de commissariats, quoi. Ça met tout le monde en stress. Ça nous oblige à sortir des gros HMG. Et le HMG, d'ailleurs, je suis désolé de l'avoir utilisé au début. Hein, mais je l'avais déjà entre les mains. J'ai vu la grosse attaque. J'en ai abattu trois. C'était un petit peu gros pour deux rebelles au sol. Hein. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je l'ai immédiatement rangé. Hein. Mais là, mes hommes, ils étaient tous en panique. Le commissariat attaqué, ça justifie quand même sa sortie. Par contre, dès que j'ai vu que vous n'étiez tout à pied, je l'ai rangé. Hein. Je l'ai immédiatement rangé dès que j'ai vu que vous n'aviez aucun autre matériel. Hein. Donc, vous leur passerez un petit mot pour ça. Gouverneur. Ah, bien sûr. Je vais aller vers le terrain de foot. Ce que vient vous dire le gouverneur, hein. Maintenant, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'on est bien gentil. Depuis qu'on est arrivé sur l'île, je pense qu'on est assez conciliant, on essaie de faire une police propre et à l'écoute des civils. Par contre, faut pas nous prendre pour des jambons. Hein. Je veux dire, on veut bien être gentil pour... Oh, bah, je dis bonjour. Ça va, les gars, c'est pas le jour. Nous arrivons à la tête haute. Ça va, les gars, on s'en sort. Donc, les gars, les comicos, j'ai le bras qui pique, mais ça va. De votre côté. Attendez, laissez. On a détruit plein de maisons. Bon, allez, on va. J'ai un peu le bras. Ah, regarde, faudra que je me dise quel homme que j'ai mis au sol de votre côté, hein, qui était en plein milieu de la route à pied, en marchant. Allez, bon dodo. Et c'est le petit Apollo, Apollo. Hein. C'est lui qui vous a promis. C'est lui qui vous a promis. Ah, désolé les gars, mais... Encore au commissariat que ça recharge. Quand j'ai vu l'homme armé, pour moi, c'est ennemi. Hein. Surtout qu'il était tout seul. Vous serez arrivé en groupe comme ça en train de marcher. Est-ce que tout va bien? Tu as des problèmes de bouche, Apollo? Demande de situation à notre niveau. Est-ce qu'on a des otages? Si oui, combien? Quelle est la situation au niveau du commissariat actuellement? Demande de réponse. J'ai ramené un otage dans le commissariat. Monsieur Klaus Krüger. Ouais, Klaus Krüger qui apparemment... Ok, c'est reçu, on descend avec le gouverneur. Enfin, nous, on peut que lui faire un bandage. On le met en bandage, on le met en bandage. Ça fait pas.
Il faut pas faire. Ah, pour info, si tu tombes message, c'est pas moi du tout qui ai réanimé Klaus Kruger, hein. C'est ses collègues qui l'ont réanimé. Il s'est tasé et il était vivant. Ah ouais, il était vivant. Ah ouais, il était pas mort. Bon, laisse-le. Il ne faut pas rentrer. Pas dans le coma ou quoi que ce soit. Il y a personne au terrain de foot. Juste pour le dire. Tout si si. Tout va bien pour vous, messieurs. Mettez-vous ici, ma petite. Mettez-vous ici, ma petite. Vous avez plus rien à faire là. Ok, on défend la ville, mais on défend surtout le commissariat. J'ai pas envie qu'on croie qu'on est deux mèches ou quoi que ce soit. Allez, circulez, on s'occupe du reste. Et je voulais juste dire à tous ces petits là qu'il faut qu'ils arrêtent de venir dans notre ville. Ça ne se fait pas. Nous on essaie d'être gentils avec eux. On ne fait pas des bêtises et eux ils viennent faire des bêtises. Non mais enfin, on peut ça, pas parler. Le cartel, hein. Le cartel beaucoup trop violent. Hein. On va falloir faire le ménage. Hein. Fait, monsieur Hogan, est-ce qu'un de vos hommes a réanimé on repart à la tête haute. Comme des je vais enlever ta chaussette dans la bouche là. Ah, pas là. Silence les recrues. Derrière toi. Il a reçu un message. Ici là. Il est dit qu'apparemment un de mes adjoints t'aurait réanimé pour te emprisonner. Tu as été réanimé par un de tes propres hommes et nous nous t'avons tasé. Si tu veux je peux le faire moi. J'arrive. Non, on a réanimé personne. Est-ce que tu es d'accord? La seule personne qu'on a réanimé c'est moi. Quoi? D'accord. Allez, venez mes petits. Venez mes petits. Abattre Jabba. Il faut la réanimer la personne. Oh putain, t'as des problèmes de gorge. Non, bon, les autres là, arrêtez de tourner n'importe comment, remettez-vous en position, le danger est encore là, il y a encore des hommes qui traînent. Je veux une équipe de 3 qui sortent en voiture et fait le tour et les gorge tout ce qui reste là. Allez, on se retrouve. Ok, Boucho. Olivier, je vous accompagne avec ton gardeur pour retrouver le cadavre. Ok, Boucho. Arrêtez tous de parler, le gouverneur est en train de vous donner des ordres, vous obéissez, vous vous taisez. Maintenant les snipers, je les veux tous dans les tours. Mon adjoint me dit que tu étais debout quand il t'a tasé, il pouvait pas t'égorger et tu as été réanimé par un de tes propres hommes. Le HMTT, le... Bon, on va saisir le véhicule. Et d'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose, la deuxième personne que j'ai tasé, je n'ai pas compris pourquoi elle était dans le coma. Le Hunter bloque le passage. Le Hunter bouche le passage, vous étiez bien... Ok, vous allez venir avec moi, messieurs. Il bloque la sortie du véhicule. D'accord. C'est bon, il est rentré. Ok, vous allez venir avec moi, messieurs. On va aller se boire du rhum. Ah ouais, du rhum, putain. Ah ouais, un verre coco, vas-y. On va aller faire un verre coco. On devrait être plus de calme ici. Hein. Ah, je sais pas si vous allez pouvoir arrêter l'escorte ou pas. Oh, ça s'est bien passé. Arrête la moi s'il te plaît, là, je me suis chié. Enfin, il n'y aurait pas eu le HMG, je pense que ça se serait... On aurait peut-être un peu plus. Moi. Ouais. C'est toi qui conduis le Hunter. Ouais. Ouais, t'es en train de marcher, mais t'inquiète pas, y'a pas besoin. Ah, mais c'est 27 outils de crochetage, 27 zip. On peut ramasser les valises maintenant. Ouais. Même la thune. Mais bon, faut se foutre une touche dans le truc 10 là, dans personnalisation touche. Ah, d'accord. Bon, si vous voyez des cadavres, vous me dites. Hein. Mais j'ai déjà fait un tour tout à l'heure, il y avait rien. Okay. Bon. Et vers le terrain de foot aussi. Bah là ça fait, doit faire qui plus de 15 secondes de toute façon. Ouais. Et plus de 800 secondes, il serait déjà mort les mecs. Non, c'est 15 minutes, ça laisse du temps. Dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. User disconnected from your channel.
Allez, commence déjà. Pour vous dire au revoir, monsieur, bonne soirée. Salut. Bien. User disconnected from your channel. Je suis sûr que c'est pas cool, mais bon. En sachant qu'ils étaient sur Fantasma, je pense qu'ils peuvent comprendre notre point de vue maintenant. Là, c'était qu'un interaction. Voilà pour le premier cours. Hein. C'était le coup d'état qu'on avait fait là, avec 4 interactions. Malheureusement, choper des grenades aveugles. Et ça nous a que dalle après. Parce que il faut vraiment bien la tirer. J'ai eu 4 sur moi, j'ai rien vu. Est-ce qu'ils ont chopé ça les mecs quoi. Ils sont fous. Que... Quelqu'un a dû leur filer, c'est pas possible. Ouais, quelqu'un qui leur vend ou des trucs comme ça. Bah, c'est le jeu de bizarre. Hein. Ça se trouve qu'ils ont tué un flic ou un truc comme ça, je sais pas. Ah, c'est quand même chelou. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit leur filer du matos, hein. Je sais pas d'autre. Et du coup... Reload à gauche. Ouais. Ah, j'ai entendu recharger. Ouais, moi aussi. Ça mange. J'ai entendu manger. Encore du monde, hein. Manger c'est moins pire que recharger. Le cartel est enterré pour ce soir. Ah, c'est sûrement un Niabongui. Ouais. Ah, il est derrière monsieur, il est derrière vous. C'est un Niabongui. Ok, d'accord. Je peux le checker dans l'hôpital vite fait, s'il y a quelqu'un. À la clinique, il y en a un qui peut descendre et checker. Ouais, j'y vais. Et RAS. Ouais, je me disais bien que je t'avais vu passer sous les pneus. N'empêche, moi j'aimerais bien savoir d'une comment il savait qu'on allait être là. C'est quand même bizarre. Comme s'ils avaient une info qu'il allait avoir un rendez-vous. Et de deux, comment ils ont eu ces putains de grenades. Ouais. C'est dû leur surprendre quand même de l'HMG. La piqué. Ah, bah, attends. Et si c'est les messieurs de la marée chaussée, ils peuvent venir boire un coup. Ah non, c'est bon, monsieur, pas pendant le service. Hein. Merci pour l'invitation. Mais c'est lui, ah oui, c'est tout. Hey, ma maison. Mais, bordel, mon mur, t'as pété ta mère. Je crois pas. Il casse mon mur. Mais ils ont cassé ma maison. Mais pas non, je savais pas mais que c'était à vous. J'ai vu un mur déjà endommagé. Je me suis dit que il serait bon de refaire. Attends, après il nous dit. Après il nous dit qu'il veut pas venir voir de WoW. Il est bourré pendant le service. Je crois qu'il a déjà vu le WoW. User joined your channel. Putain, ça me fait trop mal aux yeux les JVN. On y voit que dalle. User joined your channel. On va se boire ce petit rhum et je vais aller tester dans mon atelier. Moi je peux même pas aller dormir dans ma maison. Je vais la refaire. Oh là, HMTT, go. Quoi? Et peut-être au dealer. Ah, il tient sûrement du traitement de carreau. Il va aller tout droit. S'il est con. Ah, il est con. Ah là là. Il nous a pas vu. Tiens, il y a un véhicule chelou.
Hop. Me dis où? Ah, lui il est mis au mauvais moment et au mauvais endroit. Chef, autorisation de le saisir s'il vous plaît, et on partage après. Ouais déjà faut... Oh putain il prend la fuite, tirez sur les pneus, tirez sur les pneus. Ouais, on va remonter là quand il est trop loin, remontez. Remontez. Je vois les 5, j'ai pas pu... Vous l'avez eu ou pas? Remontez, go. Allez putain, je m'en fous, j'écrase. Vas-y, c'est pas par contre. Ah oubliez-moi, allez-y. À gauche, il est parti à gauche. Sur la grande route là ou en fond? Ouais, grande route, grande route. Un reload hein, où on est passé. Bah tu peux pas mettre le bouton, on aurait dû tirer. Je l'entends, il est à gauche. Ah là, il est garé. Il est plus dedans. Dedans. Monsieur, lâchez vos armes, sortez, vous êtes entouré. Vous êtes encerclé, monsieur. Il est pas dans le véhicule. Vous êtes encerclé. Attention les gars, regardez dans la maison à l'intérieur. J'ai regardé hier. Vous êtes encerclé, monsieur. Éclairante. Je l'ai vu, il part. Nord-ouest. Côté dealer. J'ai dégonflé les pneus du camion. Nord-ouest, t'as dit? Ouais, non, il part vers le dealer. Ok, reçu. Il fouille le véhicule. Merci beaucoup, chef. Ouais, vas-y, reste sur le véhicule, celui qui est descendu. Ou celle, et les autres, je veux vous monter tous dans le camion, là. Vous montez tous dans le Hunter, les autres. Il faut choper le mec qui est parti à pied. C'est bon, on a pris la drogue. Ok. 880. Ok, rentrez. Ok. C'est bon, dealer. Il doit être au dealer. Hein. Quelqu'un l'a vu partir au dealer? Ouais, c'est moi, qui l'a vu. Il était à pied, il pouvait les mains nues. Bon, il y a le dealer. Putain, il est arrivé comme une fleur. Là. Ah ouais, mais carrément. Ouvrez bien les yeux, hein, si vous voyez. Le mec il a du planning quand il nous a vu. Hein. Putain. Bon, j'ai entendu un reload au niveau du peur et j'ai vu qu'il y avait un véhicule garé dans une rue. Regardez dans les maisons quand je passe, si vous voyez. Ah, le mec il doit être dealer, il doit revendre sa coke qu'il a dessus. Hein. Il y en a un qui va aller dedans en mode taser. Ah, il est là, il est dedans. Oh les mains, monsieur, vous êtes cerné. Oh les mains, vas-y, faites tout le tour. Hein. Il est là, il est sorti de l'autre côté. Vous le tasez. Tasez, c'est bon. GG. Je vais parler au dealer pour voir s'il l'a vendu. Monsieur, c'est pas votre jour de chance. Alex Al Capone, dis-moi si c'est lui. Quel haillon? Non, j'ai dit Tsing Fu qui est tombé de voiture, il a pris une haillon pour nous rejoindre. Recherche. Oh là, putain, ça déconne. Ouais. Recherche des papiers, ça met 3 plombes. Al Capone, ouais. Ouais, ah, il a, oh là là, 138 000, 122 d'argent sale. Ouais, bah c'est bon. Lui, il est bon pour... Ah, monsieur, ah, c'est pas votre jour, hein. Attention, il y a un homme armé dans la rue. C'est sûr qu'il y a des policiers qui campent la ville. 227, azimut 227, c'est les Niabongi, je pense, mais je sais pas ce qu'il faut.
Bah alors monsieur, c'est la police là, donc vous avez vraiment pas de chance. Hein. Ah, vous avez bien tenté, mais vous avez été trop gourmand, vous auriez pas dû revenir au dealer. Il, a, hein. il est rushé. Vous auriez peut-être eu une chance. Ah, okay, c'est doucement mon petit. Là, si il est recherché homme, là. Ce monsieur Alex là, Al Capone. Recherché pourquoi? Attendez, je vais vous redire ça. Trafic de drogue. Besoin de renfort, l'endroit où je suis. Vous êtes sur Interpol. Ok, donc, tu pars avec lui, Léon. Pars avec lui. Confirme. C'est qui a demandé le renfort? Je parle avec lui. Okay, des Jordan. Trafic de drogue. Il y avait un mec avec Jordan. Il s'est barré dans la ville. D'accord. C'est Lenny Abongi, je crois. Non, non, c'est Lian Bouki qui m'a dit que c'était pas un dealer. Ouais, il y a un véhicule en plus là abandonné, un pick-up. Crefong, tu m'entends? Crefong. Ok monsieur, on va vous emmener au commissariat. Switchez-moi Crefong là, sur TS. Deux secondes, on est en opération. Ok. Je change. C'est ça. User left your channel. Mec, il est parti, je sais pas où en fait. Vous emmenez au commissariat pour interrogatoire, monsieur. Il y a plein de véhicules dans la rue là. Il y a deux pick-up. Je vais aller voir. On cherche un mec là. On trouve pas. Ouais, bah ils sont peut-être autour des véhicules. Les gars. Ils vont bien devoir prendre un véhicule pour repartir, donc il n'y a pas 36 solutions en général. Le truc, c'est chaud de différencier les Nine Winky et les mecs quoi. À ce moment-là, dites Tony Abongi de rentrer chez eux et de rentrer dans une maison bien définie. Attends. Je crois que j'ai trouvé le mec. Comme que j'ai trouvé. Lucine Michel. C'est un Blue Sin, hein. Faut que je demande. J'ai trouvé, c'est bon, j'ai ça intercepté. Tire. Ok. Ouais, il m'a foutu une balle. C'est j'arrive. Bon, j'ai... T'es dans le coma? Tous sur Jordan, là. Tous sur Jordan, les gars. C'est bon, il l'a interpellé. Daniel Capone, c'est de la famille à l'autre mec du deal. Y'a un mec qui reload, qui est quelqu'un ouais, qui a reload. C'est lui. Attends, j'ai un autre HMTT là. Attends, c'est quoi l'église? L'église, j'ai un HMTT, je crois. Oh, vous êtes en train de devenir riche ou quoi? Oh oui. Oh putain, y'a un autre HMTT planqué à côté de l'église, hein. Je vous attends, les gars. Ta famille. Oh, putain, j'arrive, Al Capone, aussi, je suis resté avec vous, je pense. Ah, il est recherché sur Interpol, il est recherché sur Interpol celui-là. Ouais, notez bien les sommes que vous avez saisies. Hein. Je vais attendre mon supérieur. Ah. Arrêtez de bouger s'il vous plaît. C'est le petit qui nous insultait tout à l'heure. Un million 170 000, pas mal. Mais on est en train de devenir riche effectivement. Ah, eh ouais, regarde. Non. 1 170 000. Les mecs, là, c'est bon. Alors. Oh merde, j'ai oublié de regarder à qui. Par contre, ton Alex Al Capone qu'on a arrêté là avec 880 000, il est recherché 45 000 de prime. Ah, Olivier, il appartient à Fabio Di Luciano. Sérieux? Ah oh, oui! Oh putain! Ah, c'est pour ça qu'ils nous ont fait une attaque. Non, ils ont attaqué en fait à la base parce qu'ils voulaient parler soi-disant avec Lenny Abongi. Enfin, Al Capone, Fabio Di Luciano et Phil Al Capone, apparemment, qui sont propriétaires du HMTT. Ils voulaient parler avec Lenny Abongi, enfin à moitié.
parler, mettre un gros coup de pression aussi. Ah, j'entends un véhicule à Lyon. Hein. Attention, hein. On peut être, vas-y, on emmène. Petit, la seule règle, ah, vous les embarquez, vous les emmenez. Il y a une Nyabangui. Ah, oh, hop, arrête-toi. Le Hunter. Je m'arrête, attention, il y a des véhicules qui roulent là. Oh, tu mets le bonhomme dedans. Vas-y. Vas-y, c'est bon, tu peux partir. On rentre dedans, il y a une place de libre. Vas-y, bah si je peux ouvrir. Non, c'est les flics. Vas-y. Nice. Merde, qu'est-ce qu'il a dit? Pas d'attaque, le comico, on attaquait les Nia machin. Ah ouais. Sauf que les Nia machin. Ouais, comme c'est ce qu'il disait le Klaus Kruger, à celui que j'ai chopé. Moi, ce qu'il disait, en fait, il voulait mettre un coup de pression au Niabangui et discuter en même temps. Il y a deux choses qui m'étonnent, c'est que les mecs, déjà, d'une, ils ont des grenades aveuglantes. Parce qu'ils ont tiré deux ou trois grenades aveuglantes. Donc ça, c'est bizarre. J'ai deux HMTT qui partent là. Ah, c'est les Blue Seed. Là, vous mettez un baillon sur la bouche. J'ai le droit de garder le silence. On a peut-être besoin d'aide. Interpellé pour trafic de droit de parler aussi. On a le droit de parler. Trafic de drogue. Plus couille blessure. Monsieur, j'entends. Mais quoi, couille blessure? Tu gelais, toi? Et file, Al Capone, vous m'avez tiré dessus avec votre PDW. Bah ouais. Je vous assure que vous allez prendre ça. La petite est badass. Par contre. Oh, allez, putain, le con, il est sorti. Ils sont trolls, ça. Ils sont sortis, fais gaffe. Bon, mais. Je m'enfuis. Peut-être un sous son crâne, tu vois. Je suis en train de m'enfuir. Je savais qu'ils allaient me le faire, ce con. La recrue, genre, bah ouais. Vous me l'éloignez. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il sort de son état menace ou quoi? Bouge chaud, il y a le Blue Seed qui doit aller te voir apparemment. Amène-le moi là, amène-les-moi, je les cherche là, avant la tempête, vite. Oh putain, oui putain, on a la tempête. Viens, venez sur ma position, il y en a là et l'autre est plus. Oh mais vous, vous êtes des campers au champ de rennes, c'est juste ça que vous faites dans le serveur. Il y a zéro police à Cavala, vous faites juste camper. Ouais, vous êtes des campers. Hey, toi c'est toi qui rien, hein, parce que t'as cette langue, c'est le français, et toi t'es trop con, hein, pour savoir c'est quoi l'anglais. Ouais, c'est bien. Ah, tu rimes moi parce que je parle un peu en anglais. Je dois garder le silence. T'as bien mon petit là ou quoi? T'as un problème quoi là? Attends, si t'as pas à te le dire, on peut te le après ça c'est nous, après ça c'est moi qui t'ai arrêté pour insulte. Après qui t'ai arrêté pour insulte, mais y'a un gars ici qui rime moi parce que je parle en anglais. Hein, bravo la logique les gars, bravo la logique. Ah, on est sur une île où les gens ils parlent français. Ça. Ils vont venir sur ma position, Boucho. Mais moi je suis sur une ligne où je me mets les deux doigts. Message au gouverneur, j'ai Artacus avec moi sur ma position qui apparemment avait rendez-vous avec vous. Est-ce que vous pouvez me rejoindre? Allez, tu peux t'occuper du mec. Ok, lui... Arrête de le taunter avec la langue française, on s'en fout. C'est moi? Moi? Eh, je le taunte pas, là, c'est pas moi. Non, c'est pas toi, c'est Ting. Ah, ok, c'est toi, c'est toi. Ok, on se calme, hein. C'est le colonel, ici. Olivier, Les gars, est-ce que je peux te dire une dernière chose? Il est atteint de la trop aiguë, un petit tour en prison. Il est passé où, l'autre détenu, là? Ah oui, il se balade. Il est là. Monsieur, il est là, je l'ai. C'est qui a fouillé un HMTT? Olivier, on peut l'envoyer. C'est moi. Les gars, attendez, j'ai une question avant. Envoyez, vous en avez chopé combien les HMTT? Désolé, j'ai une question, les gars, j'ai une question. Désolé, il y a la tempête, on doit vous envoyer. Qui est-ce que vous foutez? Parlez au gardien de prison. C'était qui était avec nous? Parce que j'ai on a eu 881 000 sur le premier. Juste 15 minutes. Bah, de toute façon, vous étiez que 3. J'ai eu balèze. Son collègue, par contre, il a pris 30. Hein. Attends, il nous a... avec nous.